vous regardez RTL. Il faut donner des conseils aux petits nouveaux quand même. Yoann Riou, Ariel, pour commencer. Alors, je vais vous donner un conseil aujourd'hui, mais tout à fait unique. Oui. D'abord, c'est bien parler dans le micro. Voilà, pas. On est dans un jour très particulier. Ah ouais. Car bon, il y a eu beaucoup de morts dernièrement. Mais il y en a un qui est très vivant. Et qui est ici, et dont c'était l'anniversaire hier, Laurent Ruquier. Vous pouvez. En fait, je me posais la question ce week-end en bossant un peu l'émission. Je me suis dit, mais. Ah, parce que vous avez bossé. Oui, j'ai révisé et tout. J'ai réussi à faire des lignes. Ça, c'est bien. C'est déjà un plus par rapport à tous les autres. Et oui. En fait, votre métier, c'est d'être Ariel Dombal. Vous êtes un personnage parce que devant la vacuité de la vie, j'ai l'impression que vous avez compris que vous êtes une cour de récréation. Non, mais vous adorez votre émission. Excuse-moi, qu'est-ce que c'est mignon. Laurent, il part trop fort. Il va pas tenir. Il faut dire, il faut mettre du talent dans son œuvre. Et du génie dans sa vie. Oh, j'adore. Ah, j'adore. Voilà. Du génie sa vie, du génie dans Ariel. Mais sans bouillir, sans bouillir. Deux paquets pour le prix d'un. Sans bouillir. Bon, et vous, alors, Jean-Philippe, quel conseil vous donneriez? Il ne faut pas que tu parles aussi vite et à le temps comme mais ça. Mais j'ai peur. Ça va faire peur aux gens. Non, mais moi, je connais. On voit que tu n'es pas détendu, tu parles comme ça tout vite. Et bien, tu montes dans les aiguilles. Détends-toi. C'est récréatif, on est là pour faire des cocasseries, de la rigolade. Mais je vois que tout le monde rigole déjà. Il y a au moins 200 personnes. Et comment tu prépares l'émission? Que ça veut dire? Ben là, je sais pas, il n'y a pas de question d'actualité. Donc j'ai lu Le Parisien à 4h ce matin et tout sur l'ordinateur. J'ai regardé un blog, les Oscars, les Césars, j'ai tout regardé quoi. Ah oui. Et moi je t'adore parce que t'es toujours très touchant avec quand tu parles de ta maman, quand tu parles de tes parents. Lèche. Oh le lèche-cul. Alors je vous présente un compatriote à vous, Olivier de Kersauzon, parce qu'il est breton, tout comme vous. Ah j'adore, bien sûr. Mais moi je vais te donner un bon conseil, tu me parles pas. Non mais attends, je te l'aurais dit. Hein. Ouais, mais je comprends pas un truc, pourquoi vous êtes pas né en Bretagne? Tu me parles pas, tu parles aux autres si tu veux, tu fais le malin. C'est comme si j'existais pas, tu m'emmerdes pas, tu fais pas de commentaires. Ouais mais j'adore parce sinon tu vas regretter de pas avoir fait le métier de marin-pêcheur, j'aurais dû faire plus de coups de traîner tous ces connards, compris? Voilà. Mais tu fais de la tachycardie, non là? Voilà. Ah, vous vous rendez pas compte, ma vie est en train de changer. Parce qu'il y a une demi-heure déjà qu'il faut dire au téléphone. Oui, tu vas mourir dans une demi-heure. Si tu continues. Faut dire aux auditeurs qu'on est arrivé une demi-heure avant dans les loges et tout. Alors il y a Ariel Dombal qui est apparu, tel, je sais pas moi, un truc de fou. Tout le monde était là et on blaguait, on rigolait et tout. Donc c'était vraiment un accueil formidable. Oui. Et on a appris donc que les parents de Johan étaient marins-pêcheurs. Absolument, oui. Comme Olivier. Exactement, oui. Comme Olivier. Donc s'il y a quelqu'un à qui vous devez parler, c'est Olivier. Pour j'adore. Bien commencer. Ok les garçons.